Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos d'une nouveauté qu'ils ont installée à propos des achats dans la boutique parce que à partir de maintenant, on va pouvoir demander annulation de notre achat. Alors là, je vais tester ça avec vous, comme ça on en saura un petit peu plus et comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Alors tout simplement, je vais acheter deux émotes. La première émote que je vais acheter, c'est venteuse. Et je pense que grâce à ce nouveau système, il pourrait y avoir des glitches plus tard qui pourraient, peut-être que je vous présenterai, qui sait. Donc voilà, j'espère peut-être qu'il y aura un petit glitch ou deux, voilà, vite fait pour gagner quelques petits V-Bucks. Ça pourrait être assez pratique, mais bon, bref. De toute façon, Epic Games est toujours à l'affût s'il y a un glitch. Il le patchera dans les heures qui suivront. Alors, on va acheter cette danse. Et voilà, normalement, il va me proposer le remboursement. Voilà, je peux annuler une disponible, est disponible pendant un instant ou jusqu'à ce que vous fermez cet écran. Donc si je ferme cet écran, c'est mort, je ne pourrai plus annuler. Alors on va faire un test de combien de temps je peux annuler. Donc là j'annule, voilà, j'annule, hop, je récupère mes 200 V-Bucks en haut à droite, vous pouvez voir. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais tester plusieurs fois pour voir combien de fois on est limité. Donc déjà je l'ai fait une fois, mais là ce que je vais faire, c'est pour d'abord voir combien de temps on est limité à pouvoir demander remboursement, annulation. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais afficher un chrono qui sera en haut et à droite en blanc et en noir, et je vais activer ce chrono dès que j'achète. Donc dans 3, 2, 1, c'est parti, let's go, je lance le chrono et j'achète. Voulez-vous confirmer cet achat? L'annulation sera indisponible cette fois-ci. Vous pourrez cependant vous faire rembourser cet achat s'il vous reste... Ah ok, je ne peux pas jouer deux fois avec ce truc-là. Ok, donc on va... C'est rien, on va tester un autre truc. Donc déjà on sait qu'on est limité à deux fois sur le même achat. Est-ce que logiquement si j'achète un autre truc, il ne va pas me dire ça, tu vois? Donc on va réessayer là, mais pour savoir combien de temps on a le droit d'être... d'annuler quoi. Donc je vais lancer le chrono. Donc c'est parti dans 3, 2, 1. Let's go, j'achète. Voilà, c'est acheté. Le chrono est lancé. Ça fait 3 secondes. Donc on va voir combien de temps le bouton carré reste en annulation. En tous les cas, ce nouveau système, c'est vraiment de la tuerie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, je voulais faire un cadeau. » Puis après, ben en fait... Je suis retombé sur le truc, je voulais faire rond à la place de carré, j'ai appuyé sur carré sans faire exprès. Surtout les personnes qui ont des palettes et qui ont mis carré sur leur palette, ça arrive d'appuyer sur carré sans faire exprès. Donc je pense que c'est vraiment assez utile. Et là quand on achète, donc imaginez, vous faites annuler et vous voulez sans faire exprès vous réappuyer sur carré pour la racheter. Et bien là carrément il y a un message de confirmation et là il faudra appuyer sur X pour valider. Donc franchement, je pense que les gens n'auront plus vraiment de problème à propos de ça. Donc là, ça fait déjà 47 secondes que je peux toujours annuler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vitesse en la vidéo en accéléré. Comme ça, on verra bien jusqu'à temps que je peux annuler. Bon ben les mecs, ça fait déjà 9 minutes et 10 secondes que j'attends. Je vais attendre jusqu'à 10 minutes. On verra bien. Mais franchement, je pense que déjà pour moi, la définition d'un instant, c'est maximum 5 minutes quoi, tu vois. On est déjà à 9 minutes, peut-être que jusqu'à 10 minutes c'est le maximum, mais je pense que même 10 minutes, si ça dépasse les 10 minutes, franchement je ne sais pas combien de temps qu'on prenne pour un instant. Ou alors peut-être que quand je vais faire annuler, ils vont me dire que j'ai pris trop de temps pour annuler, je ne sais pas. Mais c'est assez chelou quand même. Hein. Après 10 minutes je peux encore annuler, j'ai le temps de faire, demander à mon frère ou demander à ma mère si je peux acheter le skin quoi, tu vois. Franchement c'est assez ouf. Donc de toute façon, je vais annuler dans 10 secondes et si j'arrive à annuler dans les 10, enfin après 10 minutes, bah vous aurez minimum, hein, c'est sûr et certain, vous aurez 10 minutes pour annuler. Donc là, je vais essayer maintenant tout de suite, c'est parti. Et après 10 minutes d'attente, les mecs, je peux annuler mon chrono. C'est juste incroyable, les mecs. Franchement, voilà, c'est insane. Là, si j'appuie sur carré, ils me diront que je ne peux pas bénéficier de l'annulation. Et si je retourne sur celui-là, pareil. Donc je pense que vous avez droit à annuler une fois chaque objet ou alors il faudra attendre 24 heures que la boutique soit mise à jour pour pouvoir rebénéficier d'une deuxième fois chaque objet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les potos. J'espère que je vous aurai éclairci à ce sujet.
Si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Sois cool mec, YTB, le poteau, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le feront et merci à tous ceux qui me soutiennent bien sûr. Et n'oubliez pas que le code créateur s'efface apparemment toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à le rajouter. Et voilà, bah merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne un maximum. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao, peace.